Bon, tout le monde l'attendait. J'ai reçu même des messages où les filles me disaient j'attends ton code à toi. Donc moi aussi j'ai reçu la nouvelle gamme comme ceci. Bon, celle-ci on la connaît. Franchement, Musk Intime, c'est les meilleurs en parfum, en tenue de parfum de Musk Intime. Vraiment en texture, elle n'est pas collante. Donc pour toutes les meufs qui ne connaissent pas, s'il vous plaît, voilà, testez-le. Il est juste incroyable. Vraiment, toute la gamme est incroyable de Musk Intime, excusez-moi. La mousse intime, pareil, laisse des odeurs niveau intime qui sentent trop bon. Cette odeur, elle a un peu un côté femme. Le déodorant, pareil, je l'aime trop. Vraiment, le déodorant, il tient toute la journée, il me permet de ne pas transpirer. Moi, je suis complètement fan. Je les utilise déjà depuis un moment, la gamme de Musk Intime. Vraiment, elles ont travaillé les produits. Franchement, que vous dire, dans l'excellence, vraiment. C'est fabriqué en France, les filles. Donc, c'est une marque vraiment au top du top. Vraiment, les odeurs, je vous les conseille de ouf. Faut les mettre dans les parties chaudes, donc voilà, c'est un gel comme ça, un peu transparent, qui n'est pas collant du tout. Moi je vais venir le chauffer, le mettre au niveau des oreilles, ici, là, et entre les cuisses aussi. Moi j'en mets énormément, j'aime trop l'odeur, vraiment une odeur incroyable. Ça me rappelle un peu les parfums d'ici. Vraiment, c'est chic, c'est subtil, ça sent la femme et vraiment ça reste toute la journée. À chaque fois on me demande c'est quoi mon parfum. En fait, c'est pas un parfum, c'est mon musc intime vraiment que je mets très souvent. Vous avez le Sweet Litchi. Vraiment, je vous conseille le nouveau déo parce que d'habitude, il y a juste le déo au musc blanc Tahara. Ça, c'est vraiment la nouvelle gamme qui vient de sortir. Et franchement, je trouve ça déclassé parce que avant, ils proposaient qu'un déodorant à une odeur qui est qui sent très très bon par contre. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Mais là, qu'ils ont fait le rose mystique comme ça, je l'aime trop, vraiment. Je suis complètement fan de cette marque et juste incroyable. Je suis vraiment contente de les avoir en partenaire. Et je sais que ça vous fait plaisir aussi, les filles, parce que je reçois énormément de messages le jour où tout le monde a fait la promo de ces nouveaux produits. C'est vrai que j'ai reçu plein de messages. Comment ça se fait que toi, t'as pas un code promo? Non, j'en avais un ce jour-là. Sauf que moi, j'ai préféré décaler, prendre mon temps, tester. Et vraiment, pour le coup, je suis complètement satisfaite. Donc moi, mon préféré, j'ai le Sweet Litchi. Bon, celui-ci, on le connaît. Il faut savoir qu'il a été élu Victoire de la Beauté 2022-2023. C'est vraiment des produits au top, les meufs. Et moi, je ne sors pas sans mes petites lingettes de musc. Mais je voulais aussi vous parler aussi du gel douche. Mais vraiment, pour se concentrer aujourd'hui, la nouvelle gamme à la rose mystique est incroyable. Vraiment, wallah, les meufs, ils sont trop bons. Jamais je loupe une journée sans mettre mon musc intime. Donc vraiment, je vais vous mettre un petit code pour celles qui sont intéressées. Mais vraiment, au top du top, elles sentent trop, mais vraiment trop bon. Voilà que, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, c'est un côté, ça sent trop. C'est juste la chose que je peux vous dire. Je peux pas vous décrire une odeur, mais vraiment, testez-la. Vraiment, commandez-la, testez-la. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. C'est incroyable comme leurs produits sentent bon, comment le déodorant vous permet de ne pas transpirer, que l'odeur reste vraiment toute la journée. Vraiment, j'insiste dessus. La mousse est douce. Sortie de la maison là, je vous explique un peu le programme du jour. Donc c'est simple, aujourd'hui je vais aller prendre les mesures de la chambre parce que je vais aller commander un nouveau lit. Comme je vous ai dit, le lit qui est dans l'appartement est à vendre, il est tout neuf. Sauf que moi ce n'est pas du tout mes goûts, mais je sais que ça peut dépanner quelqu'un ici à Dubaï pour les installations quand vous prenez un appartement. Donc je vais mettre tout à vendre, je vous mettrai les tarifs
au fur et à mesure des photos. Et si vous voulez, vous me contactez en dessous de la story. Donc aujourd'hui, je vais aller commander le lit. Et je vais aller voir parce que je cherche un miroir, meuble, fait sur mesure aussi. Il faut que j'aille voir. Tout ça, je vais aller voir à Dragon Mart parce que c'est beaucoup moins cher. Et surtout que c'est pareil. Moi, j'ai fait... Non, moi, mon lit, là, je l'ai acheté à Panne. Et je pense que je vais aller faire aussi un petit tour à Panne pour voir tout ce qu'il y a en guise de canapé, ceci, cela, déco. Et puis voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être journée Bourbier. Donc mesure de l'appartement pour les nouveaux meubles. Commande d'un nouveau lit, puisque ça met une semaine. En plus, j'ai ma famille qui arrive. Et je vais aller voir ouais, des petits trucs de déco et tout. Ah ouais, non, il est vraiment incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Moi, j'arrête de parler, il est incroyable. Vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a que cette vue-là et ce lagon. À chaque fois, je viens voir l'appart. Où je me dis vraiment, je kiffe l'appartement. Vraiment, vraiment. Ce côté paisible. Mais en ce moment, vraiment, pour les gens qui veulent venir sur Dubaï, c'est la meilleure période. Il fait bon, en fait. La journée, il fait vraiment bon. Qui dit Dragon Mart dit Paratha Chicken, c'est le meilleur. Vous avez vu quand vous venez à Dragon Mart, à l'entrée, à côté du Ballet Parking, demandez les Paratha Spicy Chicken. C'est un pain fait maison avec un poulet épicé à mort par contre. Ils le font aussi en non épicé, mais moi je kiffe quand il est épicé, il est trop bon. Donc vraiment, 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 dès que vous arrivez, dès que vous voyez ce petit boui-boui, il ne paye pas de mine. Je crois que vraiment... À chaque fois, je suis trop content parce que je crois que je suis la seule rebeu qui vient, qui s'arrête manger ici. Mais la vie de ma mère que j'ai jamais regrettée depuis que j'ai connu cette adresse, genre je mange nulle part les paratha à part ici, c'est trop bon. Et les amis, il faut savoir que c'est grave pas cher, c'est archi bon. Genre j'ai pris deux jus d'orange, deux gros jus d'orange. J'ai pris 200 sandwichs pour moi, le reste, bon il y avait des travailleurs qui avaient faim, du coup j'aurais payé avec moi des sandwichs, ça veut dire en totalité. 5 sandwichs, 2 jus d'orange, une bouteille d'eau, j'en ai eu pour 67 dirhams. Donc vraiment, c'est genre l'adresse. Et demandez Paratha Chicken, incroyable. Bon, en direct de la boutique de matelas, enfin de lit. Donc là, j'ai pu faire un lit sur mesure 1m80 sur 2 mètres avec une grosse tête de lit qui fait plus de 2 mètres et quelques. Avec du rembourrage, qualité, attendez, je vais vous montrer la couleur. The color, please. Where that? You put it there, but it's not there. Ok. Je vais vous montrer de cette couleur. Franchement, ça va. Pour un comme ça, aussi grand et tout, j'en ai pour 1400 AED. Donc voilà, c'est fait du sur-mesure. Je vais vous mettre aussi la photo du lit que j'ai fait faire. En sachant qu'en boutique, ça vous coûte deux fois plus cher. Donc, bon plan. Bon, salut tout le monde. Tout le monde me pose la question pourquoi je reste silencieuse vis-à-vis de l'affaire de l'influenceuse et son frère le voleur. La vérité, moi, je vais vous dire un truc. Je suis beaucoup plus intelligente que vous ne le pensez. Moi, faire des scandales comme ça sur les réseaux, j'ai arrêté. Ça y est, j'ai grandi. J'ai 31 ans. Moi, je vais parler à l'influenceuse directement. Ma petite, un jour, on va se croiser, toi et moi. On va avoir une bonne discussion. Déjà de 1. Deuxièmement, les amis, d'exposer ça sur les réseaux, ceci, cela. Déjà, il y a les sisters qui le font très, très bien. La vérité, j'ai même pas besoin de parler. Elle vous sort tous les dossiers, elle vous a sorti les têtes, elle vous a sorti les personnes. Vis-à-vis de son taf, je ne sais qu'elle ne travaille plus dans une agence. J'ai déjà parlé aux personnes concernées tranquillement, gentiment, qui sont d'accord, voilà. Et pour vous dire, en fait, de sortir des noms de nanana, de nanana, moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, doucement, mais sûrement, avec délicatesse et intelligence et maturité. Donc là, de faire de scandales, je sais que vous aimez les scandales, je sais que vous aimez qu'on descende les gens. Moi, je m'en fous. Moi, aujourd'hui, la seule chose que je vois, c'est que Dieu est grand et que la vérité est en train de sortir petit à petit. Moi, je vous avais déjà parlé de mon cambriolage, je vous avais déjà parlé de la personne qui a vendu le plan de chez moi et je suis sûre à 4000%, parce qu'il ne faut pas oublier que son frère s'est installé dans le 9-1 il n'y a pas longtemps. Mais bon, bref, on passera. C'est pour ça que moi, je vous dis,
La vérité, j'ai même pas envie de me prononcer par rapport à ça. Je suis en train d'observer de loin. Je reçois énormément, mais énormément de messages, de détails qui aujourd'hui sont des preuves. Donc, d'exposer ça sur les réseaux sociaux, c'est juste me mettre un bâton dans les roues. C'est juste donner l'opportunité aux voleurs d'enlever. C'est juste l'opportunité de donner aux voleurs d'enlever tout ce qui est volé de chez eux. Donc, même si demain vous passez par la justice, même s'ils font une descente chez eux, bah, malheureusement, ils auront tout caché parce que ils savent que vous êtes au courant, ceci, cela. Donc, en fait, des fois, les amis, je sais que ça fait mal. La vérité, moi, la première, je vous ai dit, le jour où je me suis fait cambrioler, j'avais l'impression d'être violée chez moi, tu te sens plus en sécurité, c'est horrible. C'est horrible. Et vous savez, c'est quoi qui est encore plus horrible? Encore que ça va quand vous êtes locataire, vous pouvez changer d'appartement, vous pouvez voir du nouveau et vous sentir un peu plus en sécurité. Mais le problème, c'est que quand vous êtes propriétaire de votre appartement, vous ne pouvez pas bouger. Donc, vous êtes obligé d'avoir cette sensation d'insécurité. Moi, je vous ai dit, quand je rentre à Paris, tous les soirs, quand je rentre dans mon parking, je suis en panique totale. Je suis en panique totale de me faire claquer. Je suis en panique totale de... Il y a quelqu'un qui rentre chez moi pendant que je suis chez moi. Je suis en panique de ça depuis ce jour-là. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai réussi à venir vivre ici à Dubaï, où là, la vérité, c'est complètement safe et je me sens trop, trop bien. Maintenant, c'est pas parce que je me sens bien, c'est pas parce que les choses sont passées que on oublie ou qu'on s'arrête à là. On laisse passer les choses. Comme je vous ai dit, Dieu est grand. L'épreuve sort petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Restez silencieux et tout se paye un jour. Tout se paye un jour, comme on dit. Donc vraiment, la petite FF, je vais t'appeler comme ça, ma copine, t'as vu tout ce que t'as su et t'as vu les sacs que t'as portés qui étaient volés de la part de ton reuf? Tu vas le payer. Wallah que tu vas le payer. Il y a tout, hey, t'as vu toi et ton frère, tout ce que vous avez fait, toute la souffrance que vous avez fait vivre à certaines personnes, vous allez le payer. Dieu est grand. Vous savez, tout se sait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra bien rembourser les gens. Et malheureusement, aujourd'hui, arrêtez de faire votre victime à deux balles. Vous êtes une famille de voleurs, de père en fils. De père en fils. Votre père est connu pour cambriolage. Comme le fils est très connu pour cambriolage, monsieur Bilbil. Hein? T'inquiète pas. Si après les gens pour des cons, t'as fait beaucoup, 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 beaucoup d'influenceurs. Beaucoup d'influenceurs. Et aujourd'hui, tout sort. Laissez les choses faire, les amis. Tout va encore sortir. Et ces gens-là, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Et quand on se croisera, on parlera comme des adultes. Simple. Pourquoi vous voulez que là, je vous dise, ah nanana, regardez, c'est eux qui ont fait ça. C'est... What the fuck? Jusqu'à présent, ça fait je sais pas combien d'années où je suis restée silencieuse. Je vous ai dit, ça vient à mes oreilles. Et pour vous dire, Diva Rebecca, je l'ai tenue informée. Je l'ai tenue informée. Elle l'a entendu d'autres personnes. Je l'ai appelée, je l'ai tenue informée parce que comme elle l'a dit, c'est des personnes qui parlent beaucoup. Qui ne sont pas dans la discrétion. Je sais carrément que mes montres, mes trois montres, à la hauteur de 100 balles quand même, ont été vendues 15 000 euros, 20 000 euros. Pour vous dire, je suis au courant de tout. Mais tranquille, tranquille. Je suis beaucoup plus intelligente que ça. Voilà. Moi, la vérité, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, ça m'importe peu. La seule chose que je suis en train de vous dire, qu'elle fasse des placements de produits ou qu'elle fasse pas des placements de produits, il faudra qu'elle rembourse les gens qu'ils ont volés. Donc autant qu'elle travaille pour pouvoir me rembourser. Je vous le dis clairement. Mais bon, pour l'instant, je suis aussi contente qu'elle n'ait pas de taf et qu'aujourd'hui, elle comprenne la douleur de faire mal à certaines personnes. Surtout que quand j'entends l'histoire de Rebecca, moi, ce qui me fait le plus de peine, parce qu'en vrai, du matériel, c'est du matériel. T'as fait te blesser, c'est pas grave, vous allez le payer. Voilà, que ce soit ici ou sur Terre, votre vol, vous allez le payer. D'accord? Mais quand j'entends Miskina Diva Rebecca que la seule chose qu'elle avait de sa mère était une bague et qu'ils l'ont pris, ça me fait vraiment mal au cœur. La vérité. Donc moi, j'ai pas envie de me rentrer dans tout ça. D'accord? J'entends. Je prends plein de preuves et tout se réglera dans les règles de l'art. Voilà. Tout simplement. Moi, je suis tranquille, je fais ma petite vie safe ici. Je sais que Rebecca,
Ça fait pas longtemps, elle l'a sur le cœur. Moi, j'ai peur de personne, la vie de ma mère, parce que j'ai entendu Souner, elle a dû dire, elle a dit, ouais, moi, je suis pas Sarah, je quitte l'agence, j'ai pas peur. J'ai peur de personne. C'est juste que j'ai cette maturité de me dire, relativisons, intelligemment, tranquillement. Parce que là, ça sert à rien. À part faire du boucan, à part animer les gens qui sont derrière les écrans, qui sont contents parce que ça fait une nouvelle trilogie, une nouvelle série, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Là, je vais récupérer mes montres? Non. Là, je vais récupérer ma dignité quand on est rentré chez moi? Non. Est-ce que je vais me sentir mieux? Non. C'est pas grave. Faut laisser tout ça entre les mains de Dieu. Et regardez, il fait bien les choses après des années et des années. Comme les gens qui ont racheté mes montres, qui ont été soigneusement ramenées à Dubaï, pareil, je ne parlerai pas dessus. Parce que si ces personnes-là arrivent à se regarder dans un miroir et encore à se mentir et à mentir autour de soi et s'inventer des conversations et des preuves, faites-le. Grand bien vous fasse. Vraiment. La vérité. Alhamdoulilah, mon Dieu, dans ma vie, j'ai volé personne. La tête de ma mère, j'ai, comme elle dirait, Diva Rebecca, pareil, je fais partie des gens qui n'ont fait aucun mal à personne. Au contraire. Sur la vie de ma mère, j'ai ouvert derrière à certaines personnes. On s'est foutu de ma gueule plusieurs nombres de fois. On m'a mis des couteaux dans le dos. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi je resterai fidèle à moi-même et fidèle à mon cœur. Parce que, en fait, à partir du moment où vous savez que vous êtes une bonne personne et que vous n'agissez pas comme les personnes qui sont en face de vous, vous avez gagné tout l'or du monde. Vous avez gagné tout l'or du monde. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, les amis, n'agissez pas par vengeance, relativisez, menez votre enquête et ensuite venez taper avec des preuves solides. Donc voilà, moi j'ai toutes les preuves, Diva a toutes les preuves et les sœurs vous parlent de cette story et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont fait. Donc méfiez-vous de ces personnes, de cette influenceuse, de son frère. Les photos sont sorties. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein? La vérité. Vous savez, à partir de ce vol-là, Dieu m'a donné deux fois plus. Tranquille. Et mon cœur est apaisé. Tous les soirs, je dors tranquillement. Moi, je ne sais pas comment ces personnes font pour dormir, pour acquérir le travail, les économies des gens. Et donc voilà, les amis, le débat est clos. La vérité, c'est une clocharde. La vie de ma mère, cette meuf-là, c'est une clocharde, c'est une grosse clocharde. Parce que d'acquiescer ça, et en plus, son frère, c'est encore plus un clochard. Parce que, frérot, ta sœur, elle est connue. Est-ce que tu pensais que ces stories allaient rester discrètes? La vérité. Hein? Faut vraiment être débile, par contre. Vous savez, dans le fond, qui je plains? Miskina, c'est la daronne. Même si elle est courant, même, c'est normal, n'importe quelle maman protégerait ses enfants. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la famille. Parce que apparemment, il a volé même sa propre mère. C'est une maladie. Vous voyez, c'est des gens vraiment pétés au casque. Donc, la vérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Miskina, la daronne. Wallah, Miskina. Que Dieu... Que j'ai pas d'enfant. Mais limite, je suis en train de vous dire merci, mon Dieu. Parce que si c'est pour mettre au monde des sales gosses comme ça, je préfère pas avoir de gosses, la vérité. Hein. La vérité. La vérité. Donc voilà. Sur ce sujet clos, voilà. J'ai peur de personne. Elle ne bosse plus. Là, en ce moment, elle fait son Calimero 2.8. Eh, ça passe pas, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. T'as pas réfléchi à ça quand t'as acquiescé et t'as sélectionné les sacs volés que tu voulais garder et que tu ne snaps pas, parce que ça aussi, on est au courant. Quand ton frère a revendu les biens de certaines personnes qui leur étaient chères, familiales, t'as pas pleuré non plus. Hein? Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai pas de pitié du tout pour ces personnes. Je m'en tape. Je laisse juste Dieu faire les choses. Voilà. En tout cas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Voilà. C'est toutes les choses que je vous souhaite à ce frère et sa sœur, cette bande de voleurs.
Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et il y a encore d'autres personnes qui rentrent dans tout le truc, hein, les amis. Arrêtez de croire que ça s'arrête qu'à eux. Parce qu'ils ont des complices et ils font rentrer des gens dans votre vie. Enfin, plein de trucs, quoi. Plein de trucs. Des gens très, très proches de vous, qui leur donnent les plans. Et, ouais, où vous vous sentez doublement niqué. Mais c'est pas grave. Voilà. Ah là 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 là. C'est... Et franchement, allez voir les stories des Sisters de la Street. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages de beaucoup de personnes. Et moi, j'ai reçu aussi des gens qui ont créé des petites marques, qui ont cambriolé aussi, et plein de trucs. Je récolte les preuves. Oh là là, vous savez même pas, en ce moment-là, tous les soirs, je check. Et la vérité, faut que je retrouve les vidéos de mes caméras de surveillance. C'est exactement la même personne qui est rentrée chez moi. Ce que Diva vous a mis de ses caméras de surveillance, c'est exactement la même personne qui est rentrée chez moi avec le même procédé où il est parti directement dans les caméras et baisser les caméras. Et on se demande comment il connaissait mon appartement. Ah, ça, tombez pas amoureuse de n'importe qui. En tout cas, bref, pour parler d'autre chose. Et vous avez vu la mise à jour Snap? Maintenant, elle vous montre. Après, je ne sais pas si c'est pour les snaps qui payent ou pas. Moi, personnellement, j'ai pris le snap payant puisque j'aime bien les petites options mignonnes. Genre là, j'ai une petite fleur pour snapper et tout. Mais les gens là, quand je leur envoie un message et qu'ils entrouvrent ton message, merci Snapchat de nous montrer qu'ils ont entrevu le message. Hier, je regardais toute seule. Et j'ai vu qu'en fait, j'ai envoyé un message à mon frère et je lui dis, s'il te plaît, là, je vais t'envoyer un message, juste entre-ouvre le message pour voir si tu l'as vu et que tu n'as pas voulu ouvrir le message. Et oui, nouvelle fonction. Tu ne peux plus barber les gens. Soit tu lis mon message, soit tu es cramé. Oh là là. Encore une fonctionnalité qui va niquer des couples. Ça là, c'est une dinguerie. Vous vous rendez même pas compte. Parce que vous savez, le mec là qui va tromper sa meuf ou que la meuf va tromper son mec et qui est avec quelqu'un d'autre, ben c'est pas où son mec ou sa meuf est qui entre-ouvre le message pour se dire, bon, est-ce que je suis tranquille ou je suis pas tranquille, je lui dirais, Zarma, j'ai dormi, entre parenthèses. Et ben maintenant, vous allez trop d'âme. Eh, la vie de ma mère, regarde bien. Combien de couples va sauter avec cette nouvelle fonctionnalité? Dieu merci, je suis pas en couple. On est bien d'accord que sur ma vidéo de caméra surveillance, c'est la même personne avec le même procédé, le masque du Covid, avec la casquette, toujours le même gabarit. Attendez, je vous mets la vidéo complète. Là, je vous ai fait une capture d'écran pour que vous puissiez le voir, puisque vraiment, il va chercher la caméra, il la baisse. Enfin, il a trouvé la caméra. Mais bon, elle était cachée derrière mon rideau et tout. Enfin, voilà quoi. Je vais vous mettre la vidéo en entier. Ok les restes, I'm going to eat seafood. J'aime trop, vous savez les trucs là de crevettes en sauce qui mettent comme ça, tac, le riz au milieu, la sauce pimentée. J'aime trop, c'est off the cook le truc. Bon, il y en a des beaucoup moins chers sur Dubaï, mais vraiment off the cook. C'est un petit tarif. Mais voilà que ça en vaut la peine. Par contre, pourquoi j'ai frotté ma tête comme ça? Ah, j'ai trop le seum. Oh là là, impatient. C'était trop bon cette adresse. En plus, ils commencent à le faire sur Paris. J'ai pas encore les adresses. Quand je descendrai à Paris, j'irai les tester. Je vous dirai mes retours. Mais en tout cas, moi, j'ai connu ça à Dubaï. Là, les fruits de mer, c'est trop, trop bon. Et il y a plusieurs sauces différentes. Bah, après, j'ai pas pu trop, trop manger parce que j'avais pas une faim de ouf. Parce que j'ai pris mes cachets, là, Joya.
Ça me coupe la faim, c'est une dinguerie. Même des fois, la vérité, quand je vais manger dans des endroits, j'ai trop faim parce que ça me coupe la faim de ouf. Pour celles qui sont en cure de régime, vraiment, je vous le conseille, vrai genre. D'ailleurs, je vais vous le mettre pour celles qui veulent. Le code promo est toujours disponible. C'est un effet booster, ça coupe la faim, ça brûle les graisses, c'est trop bien. Vraiment. Du coup, on n'a pas terminé le plat. Et en plus de ça, quand je suis sortie du restaurant, parce que c'est un restaurant qui est situé un peu sur Deira, mais il y en a un peu partout parce que c'est une grande enseigne. Il y a un monsieur Mskin, il est venu me voir, il m'a dit. Il essayait de vendre des stylos en fait. Il me disait en fait j'ai besoin pour manger. Et du coup, bah, vu que j'avais pris tous les fruits de mer et tout, je lui ai dit bah tiens, je lui ai dit tiens, il y a à manger pour ce soir. Mskin, il a regardé le sachet et tout, c'est des fruits de mer et chez eux, enfin ça coûte assez cher. Il était content. Donc je suis contente d'être rentrée et d'avoir pu aider quelqu'un sur ma route. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui va se blinder le bide ce soir. De toute façon, moi j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, non, je suis trop contente. La vérité, quand par exemple, on vous arrête dans la rue et on vous demande de l'argent, réfléchissez. Et des fois, c'est peut-être mieux même d'aller lui faire des courses ou de lui acheter à manger que de donner de l'argent. Parce qu'il y a des fois, quand ils utilisent les sous, c'est pas pour de bonnes choses. Donc moi, je préfère 20 fois donner de la nourriture ou faire des courses ou acheter ce que les personnes ont besoin que leur donner de l'argent directement. Parce que, par exemple, avant, en France, quand je partais genre vers Porte de la Chapelle et tout, on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'addiction à certaines drogues et du coup bah ils se retrouvent à la rue, mais c'est des gens comme tout le monde et qu'ils ont besoin. Donc du coup comment vous dire que vaut mieux leur acheter à manger que leur donner de l'argent pour les enfoncer dans leur merde, clairement. Donc voilà, c'était petit conseil si vous voulez faire quelque chose de bien, acheter de la nourriture, des courses ou quoi, parce que des fois quand vous donnez de l'argent comme ça, c'est pas forcément, en tout cas là, si vous achetez à manger ou quelque chose qu'ils en ont besoin.